Au tour d'avant, on a éliminé Mont-de-Marsan, équipe de PH Aquitaine. C'est une équipe qu'on avait supervisée une fois grâce à une vidéo YouTube, qu'on a été allé filmer, donc on avait très bien préparé le match. On avait notamment fait un gros effort de vidéo et un gros effort tactique afin d'être préparé au mieux. On connaissait à peu près toutes les qualités et les défauts de l'équipe et des joueurs en particulier. Ce qui nous a permis d'entamer le match de fort belle manière. C'est nous qui avons eu les occasions. On marque les premiers, après on prend un but sur pénalty à 20 minutes de la fin. Ensuite on a les occasions de tuer le match qui sont sauvés deux fois sur la ligne par les défenseurs. Et ensuite s'ensuit la séance de tir au but où on était, je pense, plus fort mentalement qu'eux, notamment grâce à un public en nombre qui mettait une grosse pression sur les adversaires, ce qui nous a permis de nous qualifier pour le tour suivant. À ce challenge de ce week-end avec une forte intensité, on est vraiment heureux de faire ce match de gambardella là, 64e de finale. Alors ce 64e de finale, on va le préparer déjà avec beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation. On a des joueurs qui ont de la qualité, qui sont bien mentalement, qui sont bien physiquement. Déjà, on est le petit poussé, on ne va pas se cacher. On va manger la grosse part du gâteau, on va essayer de manger la cerise. Mais ça va être compliqué. On essaye déjà de mettre les choses en place, on essaye d'équilibrer nos joueurs, parce que je ne te cache pas que ce match-là, c'est beau, mais on a un match championnat le week-end prochain contre Pamiers qui va être plus important, on dira, comptablement et pour l'esprit du club et pour nous aussi, pour notre qualification pour la deuxième phase. On va prendre ce match, on va le prendre avec plaisir, on va se battre, on va mettre tout ce qu'on a et on va mettre tous les aimants en place tout simplement, quoi. Pour l'équipe, je pense qu'il faudrait sortir ce match sans regret, ça faut pas se leurrer, ça fait déjà deux fois qu'on sort des équipes de ligue. Là, Villeneuve, ça a quand même l'air d'être un peu au-dessus, donc on verra bien. C'est surtout ne pas avoir de regrets. Après, le score, je dirais qu'il y a 5% de chances qu'on passe, donc faut pas se prendre la tête. Le score, il sera celui qui sera au bout des 90 minutes et on verra bien. En espérant de gagner, mais bon, c'est surtout ne pas avoir de regrets, être fier de nous à la fin de ce parcours.